Le cancer n'a pas changé forcément ma vision des choses. Maintenant, les difficultés avant cancer restent les mêmes, les joies avant cancer restent les mêmes. Ça change un peu la tonalité de la photo, mais ça change pas intégralement la photo en fait. Ça change un peu les nuances de couleur, mais pas beaucoup plus. On garde les mêmes problèmes qu'avant. La phase d'annonce, elle est brutale. Heureusement, c'était début septembre, donc j'allais à la Shop Flower qui m'a aidé à passer le cap. Et le lendemain matin, c'était accepté ou assimilé. Quelque chose qui m'a marqué, et je pense qu'il a marqué pas mal de monde au service en fait, oncologie, la psychologue dès le départ m'a dit, il faut essayer de mener une vie normale. Et donc, je suis moniteur de voile, de bateau à voile en Moselle. Et je suis allé faire un tour en bateau à Metz. Avec mon école de voile. Et le retour a été catastrophique. J'ai dû m'arrêter hospitalisé en urgence à Thionville. Je n'ai pas pu revenir sur Luxembourg. C'était la découverte de la chimio dans son intégralité, on va dire ça comme ça. Et après, quand j'ai expliqué ce que j'avais fait pendant le week-end, on m'a traité de fou. J'ai dit, mais vous pouvez me demander de vivre une vie normale. Pour moi, c'est ça la vie normale. Ah non, on ne sait pas que vous allez vivre à ce niveau-là une vie normale. Voilà. Donc j'ai aussi appris à connaître la maladie en fait. Il y a une phase de découverte entre avec le recul, je comprends ce que vous voulez dire un psychologue, vivre une vie normale, ça veut pas dire fermer, rester enfermé chez soi, mais ça veut pas dire non plus vivre une vie normale. Voilà, il y a juste limite, il y a juste milieu. Voilà, donc j'ai toujours vécu la chimio comme une découverte, un passage. Je savais que c'est pas une fin. C'est pas la chimio ou le cancer qui m'a donné ou qui me donnerait envie de faire quelque chose que je n'ai pas eu envie de faire avant. J'ai eu la chance de pouvoir toujours réaliser mes rêves ou tout le moins de pouvoir toujours faire ce que j'avais prévu de faire. Ça s'organise, ça se prévoit. Voilà, j'ai voulu être moniteur de voile, je suis devenu moniteur de voile. Voilà, ou alors j'ai des rêves accessibles et je me les rends accessibles, mais j'ai pas, voilà, je suis quelqu'un de normal.